Bonjour et bienvenue sur le site des carrières du Boulonnais. Les carrières du Boulonnais sont les plus grandes carrières de France et elles produisent à elles seules 6 millions de tonnes de granulats, ce qui en font les plus grosses carrières en termes de production sur un seul site. Fin 2018, les carrières ont donc contacté Colas Rail, pour lesquels effectivement nous étions prestataires au niveau de la maintenance, et nous ont demandé d'étudier un nouveau tracé pouvant s'insérer sur la zone existante afin de créer ce faisceau de 6 voies de stockage et de chargement. Le défi était double, c'est-à-dire qu'il fallait effectivement créer un nouveau projet sur une durée maximum d'un an, et la moitié de ce projet se faisant en lieu et place du faisceau existant. Nous savions qu'il allait y avoir un laps de temps très court pour réaliser ce qu'on va appeler le coup de force. Sur les 4000 mètres de voies ferrées, nous savons que 2000 mètres sont à réaliser en lieu et place du faisceau existant. Et donc il nous faut, pour pouvoir réaliser ces 2000 mètres, obtenir du client un arrêt complet de la production. Ce qui nous a octroyé que pour une durée de 15 jours. Donc nous savions, en termes de challenge, devoir réaliser la dépose et la pose de 2000 mètres de voies sur ces 2 semaines. Au regard du laps de temps qui était donc attribué, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait effectivement doubler, voire tripler les moyens. Mais cela ne suffisait pas. Nous avons donc anticipé, en prenant comme optique, de préfabriquer les voies ferrées. C'est-à-dire que les voies neuves que nous posons sur ce laps de temps ont été prémontées à blanc en panneaux de 36 mètres. Ce qui nous permet aujourd'hui de poser, au lieu de poser 36 mètres par jour avec une équipe de base, nous en sommes arrivés à poser 225 mètres. Contrairement à un avancement de base de 36 mètres par jour que l'on réalise avec une équipe de 1 plus 5 et un engin, nous en sommes aujourd'hui sur ce laps de temps de 15 jours avec 4 open rail route et 22 opérateurs. Donc on a établi un plan avec des axes et suivant les normes SNCF. Un tracé d'axe et ensuite on a fait un profil en long parce que toute la voie doit avoir une pente de 1 mm au mètre. Donc toute cette étude qui est faite sur un logiciel de tracé de voie est transférée ensuite dans les appareils de mesure, donc dans le GPS. Une fois que la voie donc est prépositionnée et pré-relevée au bon niveau, on passe avec un chariot de mesure qui est couplé au théodolite, dans lequel on a aussi rentré le projet. Et une fois qu'on passe le chariot, le logiciel nous dit donc les valeurs résiduelles de relevage et de dressage qu'on va donner à la boureuse. Donc de manière automatisée, la boureuse va pouvoir redresser la voie et la mettre à niveau. Je suis embauché chez Colas Rail depuis fin septembre. Je réalise le programme talent de chef de chantier. Depuis fin septembre, donc, je suis à Dunkerque, l'agence ITE. Donc, mes missions, c'est d'aider les équipes à faire les travaux, d'écouter et d'apprendre en écoutant mes tuteurs, chefs de chantier, et aussi en réalisant, donc en faisant le travail sur le terrain. C'est ma première expérience dans le monde du ferroviaire. C'est une fierté aussi d'être aux côtés de mes collègues pour réaliser ce chantier-là.